Alors, c'est vraiment un camion qui vaut très très cher, donc faut faire attention, hein. Au pire, je peux rappeler les flics pour le camion, hein. Non, enfin, comme tu veux, mais... Attends. J'ai l'impression que c'est ouvert devant nous, hein. Non, attends un peu. Oui, bien sûr, bien sûr. Allez, monsieur. Allez. C'était fermé, gros. Non, c'était ouvert. Tu as bien vu qu'on a pu passer. On est passé, mais je crois que c'était fermé quand même. Non, ne t'inquiète pas. Tout va parfaitement bien. Je pense que c'était fermé, très honnêtement. C'est vraiment une belle journée aujourd'hui. Hein. C'est magnifique. Une journée qui sent l'argent à plein nez. Je pense qu'on va pouvoir essayer de prendre un peu le contrôle de ce domaine viticole. Et bien sûr. Entre guillemets, simple employé pendant tout ce temps. Il va falloir jouer avec la mairie. J'irai voir ça avec la mairie un peu plus tard. Bien sûr, faudra qu'on en discute, évidemment. Bien sûr. Alors, de toute façon, on est associés 50-50, hein. Je sais pas pourquoi, gros. Je vais être honnête avec toi. Ah, tu penses que je vais te la mettre, c'est ça. J'ai l'impression qu'à un moment donné, je vais me retrouver véritablement avec un truc dans le cul, tu vois. Jamais. Écoute-moi bien. Je t'écoute. Parole de Donatien de Montazac. Et tu sais que ça vaut quelque chose. Tu le sais. Ouais, mais... Là, tu le sais. Jamais je te ferai je le sais, coup de pute. Je connais très très peu ta famille, donc je le sais. Et tu le saurais si t'avais lu Forbes. Mais crois-moi. Alors, je vais me faire entuber, gros. Mais arrête ! Là, tu commences à devenir paranoïaque, Fabien. Et c'est pas bon pour les affaires, ça, hein. C'est-à-dire que la nuit dernière, je me suis retrouvé dans le coma. Mais je n'ai pas fait exprès. Ce n'était pas prémédité. Je n'ai pas voulu faire ça. Et quel aurait été mon intérêt ? Aucun. Non, bien sûr. Aucun, je ne pouvais pas retirer l'argent sur ton compte. Bien sûr. Bon alors, je n'avais aucun intérêt à faire ça. Bien sûr. Rends-toi bien compte, c'est absurde. Bien sûr. Il faut juste que j'aille faire un tour chez le psy et tout ira mieux. Bien sûr. Donc tu veux dire que t'as un problème, toi, dans ta tête ? Probablement, oui, je pense, mais ça m'étonnerait beaucoup puisque j'ai le cerveau bien fait. Bien sûr. J'ai le cerveau bien fait, bien sûr. Bien sûr. Alors. Bien sûr. Allez, ça passe au vert quand ça veut, hein. Est-ce que tu préfères qu'on aille directement négocier nous-mêmes nos ventes auprès de gens potentiellement intéressés ou on va directement vers des grossistes qui sont intéressés par le vin de base ? Bah écoute, je sais pas trop, parce qu'en fait je ne sais pas où trouver des gens qui pourraient être potentiellement intéressés alors que des grossistes on peut peut-être en trouver plus facilement, je ne sais pas. Ah, les grossistes de base, sur l'appli j'en ai vu quelques-uns, hein, si tu veux. Ah bah pourquoi pas alors ? Attends, je termine ma partie de Snake et je te reprends. Excuse-moi, Fabien. Y'a aucun souci, gros. Y'a aucun problème. T'es un petit rose, ça arrive à tout le monde. C'est vraiment une jolie ville, hein. Pas du tout. C'est pas du tout un truc qui pose problème, selon moi, de lâcher des énormes euros. Et on est collègues, hein. Ouais, bien sûr. Et on est amis avant tout, hein, bien sûr. Bien sûr. Pourquoi t'as rigolé ? Bah non, c'est un rire amical. Mais tu m'as l'air très susceptible et paranoïaque. C'est peut-être pas moi qui devrais voir le psy, mon cher Fabien. Bien sûr, j'ai passé beaucoup... En fait, c'est-à-dire que depuis... J'ai l'impression que, vu ce que tu m'as raconté tout à l'heure, t'as été délaissé par ta famille. Tout à l'heure. Oula. Délaissé, oui. Ben, en fait, c'est pour ça que j'ai pas trop confiance. C'est-à-dire que... Je comprends, tu as un problème de confiance, bien sûr. J'étais une personne qui, à un moment donné, j'ai dû me faire tout seul. J'ai dû aller chercher moi-même tout seul les choses, tu vois ce que je veux dire. J'avais personne derrière pour me dire... Bien sûr. Oui, c'est bien le fab. Alors que moi, j'ai eu tout le contraire. On m'a toujours dit que j'étais le roi du monde, et c'est le cas d'ailleurs. Et c'est pour ça que tu vas m'enculer, frère. Mais pas du tout. Oh. On écrase tout le monde sauf ses associés. Started from the bottom. We are still at the bottom, mon cher Fab. But we are not at the bottom. Non. Bien sûr, évidemment. Started at the top, we are still at the top, bien sûr. Tu te rappelles que j'ai quand même 15 000 balles dans le compte en banque, t'en as 18 000 aussi. Donc, bah ouais. Actuellement... Et attends, une fois qu'on aura vendu ces petites bouteilles, je peux te dire que ça va bien grossir tout ça. Et j'ose espérer parce qu'on est déjà plus dans le bottom, mais alors si en plus on n'y est plus du tout, gros. On va être dans le top, hein. Tiens, je t'ai changé un petit peu l'itinéraire. Ah, quoi ? Je t'ai mis une petite vente. Ici, on va pouvoir voir au moins combien ils achètent, ok ? Ok, ok. Juste au moins regarder combien ils achètent. Ok. Si ça se trouve, on va tout vendre ici. Hein. Et ben, honnêtement, ça dépend le prix. Parce que là, on a. Oh, pardon ! Pardon.
Aucun souci. Non, mais c'est surtout pour ceux de devant, quoi. Non, non, mais aucun souci, de toute façon, ça me bat les couilles. C'est quel muscle pour klaxonner ? Koh-Lanta, l'île des Bambis. Étonnant, n'est-ce pas ? Très, 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 très bonne émission. Qu'est-ce qu'on a aussi ? Découvrez les sensations fun. Ici, on a le club JPG ? JEG. Club JEG. Oh, bah pardon, la voiture ! Je lisais les affiches ! Dès maintenant, à la TV. J'ai trouvé le muscle. Est-ce qu'on peut mettre de la musique dans la radio ? Ah, ben je ne sais pas, la partie... tu sais, j'ai une partie de mon cerveau qui s'appelle... je l'appelle la partie DMCA, et du coup, je pense que mon cerveau n'apprécierait pas du tout d'écouter de la musique de la radio, je vais pas te ouais, mentir. Je comprends, c'est, toi aussi, t'as ça. Moi, des fois, j'écoute de la musique, et en fait, d'un coup, je me censure. Ouais. C'est-à-dire qu'en gros, soit je l'arrête automatiquement, soit moi-même, je ne l'entends pas. Oui. Si elle est dans mes oreilles. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, bien sûr. Et ça pour le coup, ça m'arrive vraiment souvent, tu vois. Et c'est pour ça que je te demandais... Oui, bah je pense qu'on a, on a la même pathologie, hein, bien sûr. C'est une pathologie qu'on rencontre chez nombreuses personnes. Ah, nombreuses personnes que j'ai vues dans cette ville, effectivement, j'ai l'impression. Ben, c'est-à-dire qu'à un moment donné, tu protèges les artistes aussi dans ton cerveau, tu vois ce que Bien sûr, évidemment. Donc, je me dis, si j'écoute de la musique, il faudrait que je rémunère l'artiste. Si je pense à une musique, j'ai envie de rémunérer l'artiste, du coup je ne pense jamais à de la musique. C'est exactement pareil. C'est exactement pareil. Moi, mec, quand je joue une partition, je fais un peu de musique, hein, je chantonne et je fais de la basse, hein, en gros. Et quand je joue une partition de musique, à chaque fois, ensuite, je vais sur les profils Tipeee des musiciens et je leur donne de l'argent selon le nombre de notes que j'ai jouées, finalement. Ah oui. Ce qui n'est pas très pratique. D'ailleurs, j'ai un pote qui fait la même chose, il est batteur. Donc, quand ça part en double pédale, gros, il se ruine. C'est terminé. Donc, ah, mais je comprends totalement. C'est tout à fait normal. C'est pas stable non plus comme stratégie, quoi. C'est à double tranchant. Hein. Ça dépend comment aussi tu veux protéger les artistes et rémunérer les artistes, finalement. Bien sûr. Mais nous, en termes de rémunération, on va se mettre très très bien, mon petit Fabien, ça je te le dis tout de suite. Ah bah là, c'est les... c'est les couillons, non ? On est les artistes du vin, si tu vois ce que je veux dire. Je vois exactement ce que tu dis. Ça me régale. Par contre, ça va quand même tout de même dépendre du prix à laquelle on va le vendre. Bien sûr, mais je pense que ça va être très sympathique. On n'est pas dans les pires quartiers du monde, hein. Ah non, c'est ici qu'on aura notre petite baraque. Alors... Voilà. On est bien. Hein ? On est bien, hein. Ah gros, soleil plein cagne, dans la gueule ça fracasse, les gouttes qui coulent le long du front, ah oui. Fait chaud, hein. Dans le Médoc c'était pas pareil à l'époque, hein, ça je te le dis tout de suite. Hein. Jamais mis les pieds, gros. Faudra que je t'emmène un jour sur le domaine de Montazac. Tu verras. Le domaine de Montazac, attends, le domaine de Montazac, Montazac. Oui. Quoi, c'est le domaine de papa-maman ? Bien sûr, c'est le domaine familial. Écoute, en vrai, dispo pour y aller le sang. Bah bien sûr, évidemment. Oh, regardez-moi cette affiche. I want you to Bretagne Army to protect la crête bretonne. C'est une pub pour la pluie, je suis dead, frère. N'importe quoi, qui voudrait aller habiter dans cette région de mort ? Alors qu'on est à Los Santos, quoi. Alors qu'on est à Los Santos au calme. Oh là 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 là. Il y en a qui payent, et vous vous rendez compte qu'il y a des régions, elles mettent des thunes comme ça pour faire des pubs, tellement c'est la galère, quoi. C'est... Ouais, c'est compliqué, hein. C'est compliqué. C'est compliqué, cette histoire. Avec une tête de con, mec. Oh là 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 là. Ça, c'est le breton typique, ça. Bon, on sait pas s'il est breton ou si c'est un cheval, donc... Et on sait pas si c'est le fils de maman ou de la sœur, ça. Ah bah... Ah, je prends ton accent un peu, excuse-moi, c'est parce qu'on commence à... De toute façon, ça se met à chanter, toujours autour de moi, ça se met à chanter. Oui, bien sûr, bien sûr. Nora de chant. Mais après, faut que je garde quand même mon accent du Médoc. Hein. Je suis quand même, Donatien de Montazac, quoi. Excusez-moi, je me suis trompé de... Y a aucun problème. Pardon, je suis Donatien de Montazac, je me suis trompé de route, ça arrive. Excusez-le. En train de parler. Ok. Alors, ah oui, c'est ici. Je pense que c'est ici. Oui, c'est ici, bien sûr. Non, tout est sous contrôle. Ouais, ça a failli être quand même... Non, pas du tout, aucun problème. Mais c'était là qu'on était allé tout à l'heure, non ?
On n'est pas allé là tout à l'heure. Vendre bouteille de vin. Attends, juste, je vois. Revente terminée. Ah oh, non, 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 mais t'en as pas pris. Vends-en genre une. Prends-en une et vends-la. Voir combien à l'unité. Alors. Alors. Pourquoi il y a une voiture derrière nous? C'est quoi la voiture derrière nous là? C'est quoi cette histoire? Excusez-moi. Excusez-moi? Excusez-moi. Je suis Donatien de Montazac. Excusez-moi. Allô? Oui. Monsieur? Monsieur. Je suis Donatien de Montazac. Excusez-nous. Parce que là, on comprend pas trop le... C'est quoi le délire, monsieur? Oula! Attention, monsieur! Attention, faites attention, faites attention! Oh. Ok, bon, vas-y, vends une bouteille. Vends une bouteille. J'en prends une. Tu en prends une seule. Je prends une bouteille. On est une pour voir l'unité. J'en ai pris deux. Mais... Parce qu'en fait, j'en avais déjà une, je crois, de moment. Ah, bah repose-en deux et garde-en une. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? T'en ai donné une. Ah, je vais la vendre, je vais la vendre. Attends, attends, je la vends aussi. Bah, je vais te dire combien ça vaut. 1026, j'en vends une. Eh bah, je sais pas combien ça m'a fait. Putain, ça m'a donné zéro, on s'est fait entuber. Quoi? On s'est fait entuber. J'ai pas un seul centime. Réactualise ton compte en banque? Tu connais la marque de maillot Zerator? Bien sûr! Ouais, c'est pas. Attends. Je vais en prendre une encore, juste voir. Attends, gros. Attends. Je vais vérifier un truc. 125. 15 400. Non, j'avais 15 400. Hein. J'avais 15 400. Mais non, tu regardes ton. Il faut que tu regardes l'argent que tu as sur toi, pas celui que tu as sur ton compte en banque. Bien sûr, j'ai regardé les deux. 1026, pas changé, j'ai vendu ma bouteille. J'ai vendu ma bouteille. Ah oui, effectivement, c'est terrible. Effectivement, ça, il ne s'est rien passé. Peut-être une solution. Je pense... Ah mais attends, attends une petite... L'argent est allé dans le compte de notre entreprise. Oui, et où est-ce qu'on le voit ça? Eh ouais. Ah mais on n'est pas les patrons. Et non, non, mais non, 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 mais ça, mon pote, on n'y est pas encore. Petit snake. Je pense qu'il faut qu'on... Il faut qu'on appelle la mairie. En vrai, il faut qu'on appelle la mairie. Oui, mais on peut pas faire ça tout de suite. J'ai eu la mairie tout à l'heure et elle m'a dit qu'elle pouvait rien faire pour nous aujourd'hui. Tu l'as vu? J'ai eu la mairie tout à l'heure et elle pouvait rien faire pour nous aujourd'hui. Je regarde un peu, mais... Attends, c'était pas hier que tu les as eu au téléphone? Enfin, tout à l'heure, quoi. Attends, j'ai une idée de fou. Il y en a un de nous deux qui retourne au domaine. Oui. Un autre qui reste ici, ok? Avec des bouteilles qu'il prend sur lui. Oui. Il va, il regarde le coffre depuis la boîte. Parce que nous, on n'a pas... Mais je ne peux pas voir le coffre. C'est où le coffre de la boîte? Ah, j'en ai aucune idée, mais je pense que c'est au domaine. Pour le coup... Ben non, mais quoi? Je comprends pas ce que tu veux faire, Fabien. Attends, t'as reçu un salaire, toi, là? Quoi? Non. T'as pas reçu ton salaire? Non. Ok. Parce que peut-être que... Parce que là, j'ai l'impression de me faire entuber. C'est-à-dire qu'on a vendu quand même... Moi, j'ai vendu 3 bouteilles. Moi, j'en ai vendu 2. Bon, après, on en a 700 et quelques, donc... Oui, non, mais bien sûr, on en a énormément. Bien sûr. Bien sûr. Mais écoute... attends. Ce que je te conseille... Attends. Et moi, ce que je te conseille... Attends. Ah, mais j'ai... Non, je crois que je les... Ah, j'ai reçu mon... apparemment, j'aurais reçu mon salaire. Moi, j'ai reçu mon salaire, mais c'est 500 balles, hein. C'est le même, il n'a pas changé. Ça n'a pas changé, hein. Non, non, c'est pas la moindre bouteille qui a changé quoi que ce soit. Par contre, je serais très, très curieux d'aller voir le compte depuis la boîte, parce qu'en fait, c'est depuis la boîte. Mais sauf que... Oh là, qu'est-ce que tu fais, Fabien? Oh, je veux prendre un petit peu de hauteur aussi sur les choses. Mais moi, j'aimerais bien retourner là-bas pour me réhabiller. Ah, mais chill. Bien sûr.
Magnifique. La vue est très belle, mon cher Fabien. La vue est belle, je vais pas te mentir que je préfère des paysages plus... Tu vois tout ce qui baigne dans le soleil ? Et s'il va me sortir, oui. Un jour, tout ceci sera à nous. Ça sera étiqueté. Montazac Torres. Ok ? Regarde mon cul maintenant. Ça, tu l'auras jamais. Donc si t'essaies de me la faire à l'envers, mon petit pote ? Complètement contre jour. Bah ouais. Faudrait peut-être qu'on retourne au Camtar là. Hein. C'est une belle image là, quand même, qu'on vient de voir. Là, ah, c'est magnifique. C'est un truc de fou, hein. C'est absolument. Bien qu'on y revienne. Oh, y a. Bonjour. Oula. Messieurs, bonsoir. Ah. Mais. Fabien. Monsieur. Ok, tranquille, j'ai des. Il training man, quoi. Oui. Bonjour messieurs. Bonjour, vous faites quoi Bah on vend notre vin, c'est ici que nous le vendons. On vendait okay. Le vin, mais justement, on voyait pas la couleur de cette vente là, tu vois, de ces ventes là. Donc on se posait des questions, on est monté sur le toit, on a... Arrête de me sortir le cul le chien. Le soleil, qui est beau lui. On a regardé le soleil, on s'est dit que l'avenir nous appartenait quoi. Ok cool. Vous avez raison, c'est bien. Voilà, hein, tout simplement. Qu'est-ce que vous faites vous? Bah nous on fait notre petite patrouille, tranquillement. On traîne à gauche, à droite. C'est notre boulot là, pour que tous nos citoyens comme vous, si vous avez des soucis, on est là pour vous aider. Est-ce que, à tout hasard, bien sûr, hors service, est-ce que le vin est quelque chose qui vous intéresse? Bah, bien sûr. Ah, est-ce qu'on... Parce que là, on en a pas mal sur nous. Éventuellement. On pourrait vous en vendre quelques bouteilles. On était en train de le vendre, le problème c'est qu'on n'a pas accès au compte de la boîte, on est simple employé. Oh bon, il est beau ceci, comme tout. Et en fait, on voit pas la nature de cet argent. On s'est dit qu'en viens, gros, on pouvait dealer plus tranquillement avec vous notamment, plutôt que vendre ici quoi. Est-ce que ça vous intéresserait qu'on vous vende du vin maintenant, messieurs? Oui, bien sûr. Bien sûr, oui. Combien est-ce que vous êtes prêt à mettre pour une bouteille de vin par exemple? Parce que notre vin est de très haute qualité et se vend très cher, bien sûr. Ah oui? C'est du mont de quoi de mont... C'est du Montazac Torres. Montazac Torres. Complètement. Montazac Torres. Et ben ça vaut combien? Vous en vendez souvent? C'est généralement entre 200 et 250 l'unité. Ah oui, c'est okay. Du bon. Oui. C'est du très très bon vin. Bah, c'est-à-dire que vous avez devant vous quelqu'un qui est originaire du Médoc, qui est donc... Complètement. ...collaborateur, et tandis que... Fortune 500, en Forbes. ...du sud de la France, et donc plutôt proche de la Minas, quoi. D'accord. Okay. On va prendre... Vous avez combien sur vous, là? Ah, on en a... On en a 600. On va pas se mentir. Effectivement. Oh bah nous, je sais pas combien vous voulez en prendre. On peut en prendre 10 déjà. Ouais, on va prendre une dizaine. Prendre 10. Alors, ce que je vous propose, c'est que Fabien vous en vend 5 et moi j'en vends 5. Comme ça nous fait even en termes de d'argent. Comme ça. Et 10. Ah, 10, ok. Ok, tu en prends 10, Fabien, et j'en prends 10 aussi. Voilà. 10 par tête de pipe. Bien sûr. Donc ça fait 2000 à chaque fois, bien sûr. 15, s'il vous plaît. 15 ? 10 au chien. Oui. Donc 15 chacun. 20 20 chacun, donc ça fait 4000. Hein. 25, comme ça, ça fait 50 et plus. Le chien, il picole. Ok. Très bien, donc ça fera... Ok. Qui a pris la... Tu as donné les 25, Fabien? Allez-y, hein, vous payez tout. Hein. Oui, complètement, moi j'ai ce qu'il faut. Je vais pas tout payer, mon capitaine. Hein. Ah. Vous avez combien? J'ai 6000 balles. Ah, c'est bon, c'est le prix. Ah, c'est bon. Les 50? Bah oui. Ah oui, 5 x 2. Donc c'est 5000, hein, c'est 5000 les 25. Vous êtes policier, hein, vous n'êtes pas professeur de mathématiques agrégé, oui. Quoi, c'est oui, clair. C'est vrai, c'est vrai. Ça, il n'y a aucun oui. Problème. Hein. Ça, c'est combien le prix de la bouteille? 200. Ok. Allez-y. Je vous donne ça, donc moi... Oui. Monsieur l'officier en blanc, je vous vends mes 25? Oui, il va tout payer, de toute façon, donnez-moi les 25. Hop, d'accord. Alors attendez, j'arrive tout de suite. C'est 10, c'est pas 10? Non, c'est 25. 25? Eh oui, c'est 25. Pardon, excusez-moi, j'arrive. Tenez, 25. Je veux bien recevoir mes 5000, si ça ne vous dérange pas, messieurs. Tout travail mérite salaire, bien sûr. Nous sommes une entreprise honnête chez Montazac. C'est pour ça, en fait, tu en passes. S'il vous plaît, monsieur. Si, on a largement assez. On a largement assez. On en a encore 600, hein, dans le camion. Tenez les 15 de plus. 10 plus 15, 25. Je sais que vous n'êtes pas engagé, mais... Oh, j'ai plus de place. Pouvons mettre en voiture un petit peu. Donnez-moi tout. Est-ce que je pourrais recevoir mes 5000, s'il vous plaît, messieurs? Oui, il va s'en occuper. Oui, bien sûr. Je ne doute pas un seul instant. Mais donne plus, j'ai que ça, mon capitaine.
Non, mais c'est 5 000 pour mon collègue et 5 000 pour moi. Bien sûr, bien sûr. Donc ça fait 10 000 en tout. Oui, oui, dans tout ça fait 10 000. Vous sous-entendez que je vais pas être à l'école. Ah non, mais bien sûr. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Je suis sûr que vous étiez un élève brillantissime, tout comme moi. Personne. Par contre, j'ai pas vu les 5 000 balles. Oui, bah alors moi je vous donne mes 5 000 balles. Et je les ai pas vues non plus. Mon capitaine, qu'est-ce que vous faites derrière moi? C'est pénible. Je vous remercie. Ah. Je vous remercie. Merci beaucoup. Mon capitaine. Capitaine. Je vais prendre l'argent. Et est-ce que je pourrais avoir les 5 000 moi aussi, s'il vous plaît? Oui. Merci beaucoup. Ah, l'argent, c'est sauvé. Il part où? Il part où? L'argent, c'est sauvé avec le chien. L'argent, c'est sauvé avec le chien. Vous inquiétez pas. La police est assez. Attendez, monsieur. On vous a vendu 25 bouteilles là. Monsieur le policier, je veux bien que vous soyez policier, mais s'il vous plaît, j'aimerais bien avoir mes 5 000, s'il vous plaît. Les 5 000 dollars arrivent incessamment sous peu, ne vous inquiétez pas. Bien sûr. On va vous ramener l'argent, le capitaine. Non, par contre, l'argent. La police fait son travail, la police est... Lieutenant Cuc, j'ai énormément de respect pour vous. Attendez, c'est du vin de contrebande qu'on a... Non, ah non, c'est du vin fabriqué avec amour. Oui, mais... Ah, du vin d'amour, donc. Non. Non, pas du vin d'amour, du vin, quoi. D'accord. Du bon vin. C'est fabriqué avec amour. Le capitaine, il est parti. Le problème, c'est que... Oui, mais l'argent, vous ne l'avez pas? Je l'appelle. Mais non, j'ai pas tout, moi. C'est ce que je vous ai dit. Vous ah, c'est terrible. Je vais pas être à l'école. Vous êtes où, mon capitaine? Ah, bah oui, d'accord, ok. Bon, bah, on vous attend. À tout de suite. Il arrive avec l'argent. Il était parti retirer l'argent parce qu'il avait pas assez. Ah là 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 là. Vous inquiétez pas, je suis là. Il veut rien vous arriver. Hein. On vous fait confiance, monsieur. Hein. Oui, mais vous inquiétez pas, lieutenant Cuc. Vous pouvez entendre. Bah, je sais très bien, lieutenant Cuc, que vous êtes tout de même quelqu'un de fantastique. Je le sais. Eh oui, quand même. Je le sais, je ne sais que ça. C'est tout ce que je sais. Qu'est-ce que vous manœuvrez? Comment ça? Je sais pas, qu'est-ce qu'il fait avec le camion, votre collègue? Je ne sais pas. Fab, c'est qu'est-ce qui que... C'est à qui l'entreprise, au fait? C'est la nôtre, c'est nous. C'est nous deux, bien sûr. Oh, c'est bien ça. C'est bien d'avoir des entrepreneurs. N'hésitez pas à sauter un petit coup, monsieur Montbazac. Oui, mais j'ai déjà essayé, ça ne fonctionne que très peu. Si. Faites-moi confiance, allez-y. Voilà. Oui, mais sauf que regardez. Ah oui, mais moi je vous parlais pas pour ça. Ok, d'accord. Vous avez un mal de dos. Oui, Il est vraiment parti retirer le... Oui, le vous êtes sûr de ça? Oui, mais il est parti au distributeur le plus proche, à la Superette donc. Et je pense que vous avez un mal de dos. Vous avez essayé d'appeler les médecins? Oui, mais ce n'est pas ça. Il faudra que je fasse un énorme somme et que je revienne plus tard, mais je vais pas faire ça tout de suite, bien sûr. Ah. D'accord, mon capitaine. Bien sûr. Le capitaine arrive, il est avec le chien. Ah, très bien. Pas de problème. J'ai les deux vignerons qui s'impatientent. Ils ont peur que vous leur mettiez en verre. Bah, c'est compréhensible, excusez-nous. Nous sommes tout de même Montazac et Torres. Donc... C'est ça, mon capitaine? De quoi? Qu'est-ce qui se passe? Non, rien de bien méchant, attendez. Je répète ça, mon capitaine, ou pas? Comment? Excusez-moi, mais moi, toute ma vie, je l'ai passé à me faire intuber. Mon capitaine m'a dit, ils vont se faire foutre, j'arrive, qu'ils se détendent. Ils vont se faire foutre. J'aime pas trop ces termes-là, par exemple. J'ai des amis journalistes, par exemple. Hein. C'est par ces policiers, quoi. Oui, tout à fait, mais vous verrez avec mon capitaine. Mon capitaine, des fois, peut avoir le... Ah, mon capitaine. Ah, bonjour. Oh, monsieur le capitaine. À qui je dois payer? Moi. Venez. À Donatien de Montazac. Il est tout fou, le chien, qu'est-ce que vous avez fait? Le chien, il est content. Il est content. Ah, merci. J'ai mis plus pour... Il a bu un peu de son vin, donc... Ah, bien sûr, je comprends. Bien sûr. Très bien, bah c'est un plaisir de faire affaire avec vous. Pas de soucis, n'hésitez pas à aller... Au Paradise pour vendre vos vins. Hein. Bien sûr, c'est ce que nous allons faire. Paradise. La dernière fois qu'on y est allé, nous, au Paradise, on s'est fait... Mais parce qu'on n'avait pas fermé notre camion. Oui, mais d'ailleurs, tant que vous y êtes, chef, c'est vous qui m'avez appelé concernant le camion volé? Mais on s'est vu, oui. Non? Oui, c'est moi. Il y a un petit problème, c'est qu'on l'a pas encore trouvé. Il est toujours derrière le... Je vous mets l'emplacement. Je veux bien. Je venais monter dans ce véhicule. Non. Attendez, je vais vous l'envoyer. Je vais vous l'envoyer par SMS à monsieur mon... Oui, bah... Montazac. Deux Montazac. Deux Montazac, pardon. Oui. Deux Montazac. Ça vient d'où? Du Médoc, à côté de Bordeaux. Ok. Mais je pense que c'est le camion qu'on avait vu dans la petite rue, hein.
Il y avait un camion, si, quand on y allait. Rappelle-toi, Donna, il y avait un camion justement un peu derrière, ouvert. Et je crois que c'était lui. Hein. Derrière la banque. Là où vous étiez derrière tout à l'heure. Exact, là où j'ai voilà. fait un coma. C'est la position que j'ai envoyée. Et donc, ça, cette position, c'est quoi exactement? C'est là où il y a camion. Le camion. Ah bah. Le parking là derrière. Mais, chef, vous avez vu des trucs par rapport à ce camion ou pas? C'est-à-dire que des gens nous ont. On l'a fouillé, on a fait notre travail, mais rien du tout. Ok, il n'y avait pas de drogue, par exemple. Non, il n'y avait pas de tout ça. Il me semblait que j'avais entendu parler du fait que ce camion avait été rempli de drogue, à moins que je lise de mauvais journaux. N'hésitez pas à sauter une fois quand monsieur... Je sais, ça ne marche pas. C'est... J'ai déjà essayé, c'est un peu foireux. Mais j'aime beaucoup cette position tout de même. Oui, c'est mieux. Ah, mais là, vous avez. Ah, oui, d'accord. Oui, mais là, c'est le mal de dos. Il a un petit problème, il boite depuis. En fait, quand vous avez mal au dos, faut demander à un médecin. Non, mais ça n'a pas marché. Il faut juste que j'ai une grande nuit de sommeil, en fait. C'est tout ce qu'il me faut. Oui, okay, pas de comprenez. Oui, pas de problème. Bon, d'accord. Comprenez. Bien, oui, tout se passe parfaitement bien, bien sûr. Oui. Bien sûr. Merci pour ce vin. Mais je vous en prie. Merci à vous. Un plaisir. Une très bonne soirée. Allez, Fabien. Retournons au Camtar. Merci beaucoup. Eh oui, allez, au revoir. Ah, pardon. Le camion n'est pas ouvert. Non, je l'avais fermé, effectivement. Non, mais tu as bien fait. Fabien, je te conseille de regarder tes réseaux sociaux. Vas-y, hein. Regarde tes réseaux sociaux, il y a une très 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 belle chose. Hop. Donc on se rend au camion ? Complètement. Allez. Normalement, on l'a sur la... Normalement, hein. Ceinture. On l'a sur... Ceinture, bien sûr. Hop, ceinture. C'est bon. Oui, normalement, concernant le... En fait, je l'ai vu, le camion, tout à l'heure. Mais simplement, je pensais pas que c'était celui-là. Ah. Ah bah pourtant, il y a le nom de notre domaine dessus. Bien sûr. Étonnant. Non, mais non. Bon, justement. Dans le restaurant. C'est ça le truc un petit peu particulier. Il a été repeint ? J'avais l'impression qu'il était ouvert en fait. Ah. C'est un peu bizarre. C'est un peu chiant que la drogue ait disparu, on aurait pu la revendre. N'empêche que, vu qu'il est revenu en retard pour me filer les 5000, il m'a filé 5560. Mais non. Et si. Bah go. Petit bénef. Par contre, ce qui est marrant, c'est que si ni toi ni moi avons le permis. Hein. Oui, effectivement, ils n'ont jamais demandé à le vérifier. On se met bien. Hein. Ah, ça me régale. Alors, c'est par ici, normalement. Complètement. C'est là. Ah non, c'est derrière, c'est pas ici. Mais si, c'est dedans. C'est dedans. Non, non, c'est pas ici, c'est au pâté de maison d'à côté. Ah oui, pardon. En face. N'est pas ici. Alors, c'est par ici. C'est là, regarde le camion. Oh c'est ce camion. Mais c'est notre camion. Et bah écoute, il faut voir de l'autre côté, mais il semblerait que ce soit celui-là, ouais. Notre camion. Oh, les fils de pute. Oh, les fils de pute, notre camion. Est-ce qu'il y a moyen de le réparer? Qu'est-ce qu'ils ont foutu? Mais ils l'ont complètement désossé, ces petits bâtards. Mais... Ils ont désossé le Camtar. J'y crois pas, Fabien! Complètement pété, moi, ou quoi? Tu l'as bu, toi, le vin, quand tu en as fait? Non, je n'ai pas testé la marchandise. Moi, je ne consomme pas, je vends. Je l'ai goûté, il était bon, mais... Alors, c'est de la piquette, on le sait très bien. Honnêtement, et je dis pas ça pour redorer un peu le blason de nos ventes frauduleuses, mais je trouve que c'est pas si pire, tu vois. Ça va. Par contre, ce que je te propose, c'est qu'on rentre là-bas, histoire de déposer un peu quelques trucs. Tu prennes le camion, voir ce qu'on peut en faire. Je prends celui avec la marchandise. Et il faut qu'on prenne au frigo parce qu'il faut que je mange et que je boive, en fait. Et je n'ai plus rien sur moi. Je peux te donner quelque chose, hein. Ah. Vas-y, à moins que... De toute façon, il va falloir qu'on... Bah attends, on est deux dans l'équipe, j'avais pris deux menus, effectivement. Tiens. Vas-y. Ah, le menu Arc. Un délice de chaque instant, bien sûr. Ça aussi, il faudrait les vendre, ça aussi, hein. Ouais. Après, il faut qu'on en garde un peu pour nous. Parce ah oui, bien sûr. Mais on en a 1000. Petit burger qui passe secret, en vrai. On en a 1000. Donc, c'est un régal. Écoute, qu'est-ce qu'on fait? On ramène le camion chez nous?
Écoute, on va ramener les deux camions. Ouais, bah vas-y, prends celui-là et je prends celui-là. Et on y go, quoi, hein. On rentre à la maison, quoi, hein. Bien sûr. Ok. Je vais essayer de communiquer avec lui tout de même. Oui, c'est juste pour pouvoir communiquer. Ouais, non, tu as raison. J'ai l'habitude d'être avec toi dans le camion, donc comprends-moi bien que ça me fait bizarre, sinon. Ah, je comprends bien que tout seul, c'est un peu plus compliqué. Oh, fais attention à la route quand même, hein. Eh, on fait la course ou quoi? Allez, premier arrivé, il gagne. Allez, c'est parti, premier arrivé, donne 10 000 balles à l'autre. Non. Non. Contraire, le contraire. Non. Mais j'ai un problème. Tu appuies fort sur le champignon? Bon, j'appuie normal? Tu as un moyen d'appuyer plus fort ou pas? Ah, je ne sais pas. Je ne suis pas sûr. J'ai vu ma vie défiler le temps d'un instant, gros. Bah, peut-être que le désossage du camion s'est mal passé, donc je ne sais pas trop comment ça se passe. Non, non, il est stable. Il est bien, honnêtement. Oh non, mais bouge là, ta caisse! Oh là là, Fabien, il faut pas t'énerver comme ça sur les gens sur la route! Écoute-moi, mec, il y a des gens, ils me coupent la route. Il faut être calme, hein! Faut être calme. Faut être calme, hein. Ah, je ne te vois pas, je t'ai même pas dans mon rétro. Juste attention quand même, hein, t'as toute la marchandise, tu nous perds les bouteilles, ça nous met pas. Mais ne t'inquiète pas, casse-toi, putain! Pardon, il faut rester calme. J'ai vu des flics. Mais, on a rien d'illégal sur nous, on a juste des bouteilles de vin. Je viens de casser 47 poteaux de feu électrique. Mais enfin, mais t'es complètement bourré, Fabien, t'as consommé le vin! Ouais, je te dis, j'ai goûté. Pardon! Excusez-moi. Je t'ai dit que j'avais goûté. Bien sûr. Bon, après, c'est aussi, je te rappelle une chose, oh là, ça va être dur de doubler. Je te rappelle une chose, c'est aussi qu'on n'a pas notre permis, quoi. Au-delà de la conduite, qu'elle soit. Ouais, mais tout ça n'est qu'accessoire, mon cher petit Fabien. Quand on est un Montazac, un de Montazac, et qu'on est d'autant plus Donatien de Montazac, tout ceci n'a aucune importance. Ouais, je te comprends, mais moi je suis pas un Montazac. Eh non, effectivement, personne n'est parfait, bien sûr. Juste le Fab, donc il y a un moment donné. Eh, le Fab, mais t'inquiète pas, tu es ami avec Donatien de Montazac. Donc ne t'inquiète pas. J'ai des relations, je connais le lieutenant Cuc. J'ai des amis à l'hôpital. J'ai énormément de doutes. Mais arrête, j'ai énormément de relations. Ne t'inquiète pas. Lesquelles? Le lieutenant Cuc, par exemple. Ou Earl, le journaliste. S'il nous arrive une douille, je vais en parler dans les médias et crois-moi que ça fera scandale. C'est vrai que tu te l'es un peu mis dans la poche, effectivement. Ah mais complètement, il m'adore. Bouge là, la caisse, Mino, elle coûte des millions, tu te mets face à moi. Ah, calme-toi, Fabien. Non mais y a pas de souci, je ne suis pas encore arrivé de toute façon. Je suis en chemin. Pareil, je vais déposer nos bouteilles. Bien, hop. Ah mais c'est toujours... J'ai refait le même truc que d'hab. En hommage, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Alors. Ah non, tout va bien. Tout va bien, les bouteilles vont super bien. Il y a aucun problème. Il y a des bouteilles plus solides que d'autres. Ah, complètement. Les bouteilles sont en très bon état dans le camion, mon cher Fabien. Ne t'inquiète pas. Donatien de Montazac gère la fougère, bien sûr. Incroyable, incroyable. Ah, quel plaisir. Ok. Ok. Ah, je vois déjà notre exploitation d'ici. Elle est magnifique. Tu as tenté un peu de passer par-dessus les collines? Oh non, je ne conduis pas comme un barbare. Ah, moi non plus, bien sûr, mais... C'est quelque chose qui peut se tenter, quand même. Je tente de conduire le plus correctement possible. Et j'y arrive. Bien sûr. Oh là là. Hop là. Honnêtement, je me sens bien. Ah mais moi aussi. La vue est magnifique. C'est sublime, c'est une belle ville. Oh là, je pense qu'on peut cut. Je te conseille... Oh, après, ce camion-là est vide, donc ce n'est pas grave. Mais par contre, moi, je ne peux pas me permettre de faire de telles folies. Ça me fait un peu de la peine quand tu dis qu'il est vide alors que je suis dedans. En termes de marchandises, je veux dire. Mais la valeur est très très élevée, évidemment. Tes organes doivent bien valoir dans les 8000 euros sur le marché noir, bien sûr. Ça me paraît peu, quand même.
Je pense que tu n'es pas au courant des prix. Après, voilà, tu n'as jamais fait partie du Forbes Fortune 500 de l'année, quoi. Donc... J'espère au moins... Aïe, mais... qui a foutu un Olivier, là? Bah, c'est nous. Pas nous, non, pas celui-là. Hein. De l'autre côté de la route, c'est pas nous, hein. Ok. Tout va bien. Tout est nickel. En tout cas, moi, ça se passe vraiment nickel sur la route. Je n'ai vraiment... Ça a été tout droit, nickel. C'est pareil, j'ai pas eu une seule interaction avec un rocher ou quoi. Tout a tourné. J'ai l'impression que tu m'as quand même raconté quelques aventures avec des poteaux, mon cher Fabien. J'ai rencontré effectivement un poteau. Ah. Effectivement. Je comprends. T'es arrivé ? Oui, je viens d'arriver. Je t'attends. Je suis quasiment là, quasiment. Ah, très bien. Incroyable. Je vais aller mettre des bouteilles dans le frigo. Bien sûr. À toutes. Tu as accès au compte de la boîte ? Bah non, mais je sais pas où est-ce que je le trouve, ça. Il me semble qu'il est en face du frigo. Ah, on va aller voir ça. À toutes. Ouais, j'arrive à toutes. Alors. Oh, je crois qu'il arrive. Affirmatif. Très bien. Alors, retirons 75 bouteilles de vin. Je crois que nous pouvons en retirer 75 maximum à chaque fois. 75 maximum à chaque fois. J'en ai pris 75, là. Oui ? Oui ? C'est toi qui as les clés du véhicule qu'on a perdu ou juste vraiment ça a été perdu ? Bah, c'est celui-là, le véhicule qu'on a perdu. Oui, mais les clés ? Je crois que j'en ai, ouais. Parce que moi, j'ai les clés du bord. J'ai pas les clés de celui-là. Je sais pas, peut-être qu'on a juste volé un camion. C'est étonnant tout de même. Non, mais y a aucune preuve que c'est le nôtre. Ah, ça m'étonne. Y a pas écrit Montazac Torres. Évidemment, il a été retravaillé. Donc bien sûr, mais c'est pas écrit, oui, c'est sûr. C'est étonnant. On avait mis des... Attends, je vais voir l'intérieur. Je vais à l'intérieur. Vas-y. Ok. Donation de Montazac. In the place. Alors, déjà... Mais ça, c'est non, ça. Ça, je ne peux pas avoir accès à ça. Pas encore. Quoi ? Attends, quoi ? Qu'est-ce que tu me fais, Fabien ? Fabien ? Fabien ! Fabien ! Qu'est-ce qu'il y a, Mignon ? Mais je ne peux pas aller au frigo, apparemment je n'ai pas l'accès pour ça, alors que tout à l'heure je l'avais pour récupérer... Attends, c'est très étrange. Non, le frigo tient l'accès. Bah attends, viens avec moi. Attends, j'ouvre mon coffre. Ah mais c'est le coffre entreprise ! Ah mais j'ai accès au coffre entreprise, là ! Mais il est pas utilisé par Fabien Torres ? Bah pas là, non. Et mais dedans, on a plein de bidons d'essence, des bons, de réduction. C'est ce que je te disais, que j'avais vu tout à l'heure. Et on a 45 trousses de premier secours, on n'a même pas besoin d'appeler les secours. Et on a 20 téléphones. On va les revendre. Mais non, on va pas les revendre, on va engager des gens. On dirait qu'ils marchent sur des œufs. Pour le vin. Bah pour le vin, pas pour le bon fait. On peut en revendre 10. Je te rappelle qu'Henriette, on l'a entubé. Hein. Ah oui, c'est vrai. Par contre, j'ai accès au stockage, mais pas au coffre-fort ni à l'armurerie. Bien sûr, on n'est pas patron. Mais du coup, le vin, on le met où ? On le met là-dedans ou on le met dans le frigo ? Je l'aurais mis là-dedans, moi. Ouais. Moi, je l'aurais mis là-dedans. Ok. Oui, parce qu'on peut stocker énormément, donc... On peut stocker énormément. Mais après, tu as raison concernant quand même le recrutement d'une ou deux personnes. Tu vois, c'est vrai que ça pourrait être intéressant d'avoir des gens qui prennent le raisin, qui le ramènent, qui font les bouteilles. C'est vrai que ça pourrait être. Ah non, mais je peux pas déposer les bouteilles là-dedans. Ah bon ? Bah, toi, tu peux ? Moi, je n'ai pas accès au vin pour aller là-dedans. Par contre, je peux mettre les lingots d'or. Je vais le faire. Je mets le lingot d'or et le lingot d'argent. Ainsi que la pièce de 1$. Il faudra tout simplement qu'on voit, je pense, avec la mairie. Je pense. Pour.
Il faudra voir avec la mairie, je pense, pour voir si on peut avoir accès à plus de choses, ou même si on peut, peut-être racheter le domaine complètement, parce que... Non, mais normalement, demain, ça devrait le faire. On va voir ce qui se passe. Ah, honnêtement, avec tout le travail qu'on a fourni ces derniers jours, oui, j'ose espérer. Attends, viens, on va au frigo, juste voir un truc. Et ça... On pouvait rien faire ici. Ah, si. Ah, mais si! Les bouteilles de vin, faut les mettre au frigo. Si, les bouteilles de vin, faut les mettre au frigo. On a 600 bouteilles de vin. Même si c'est effectivement une hérésie, il faut les mettre au frigo. On en a 600, hein. Eh ben, on va les mettre au frigo. On va mettre 600 bouteilles de vin au frigo. Je comprends pourquoi il fallait engager des gens. Hein. Ah, complètement. Après, on fera ça quand on sera plus à l'aise, bien sûr, financièrement. Bah. Allez. Il y a un problème. Ah, voilà. Quel est le problème? C'est que n'importe qui vient chez nous, ouvre la porte, ouvre le frigo, il se sert. Oui, mais tout le monde... Les autres ne peuvent pas ouvrir le frigo s'ils ne sont pas vignerons. Et donc, du coup, des gens vignerons peuvent venir ouvrir le frigo et nous prendre... C'est peut-être ça, le problème. Mais sauf que tant qu'on n'a pas accès au coffre de l'entreprise, on peut pas le faire. C'est sûr. Et oui. Oui, voilà, Giroud peut, par exemple. Et ça, c'est très emmerdant. C'est le problème. Giroud, c'est notre pire ennemi, hein, je te le rappelle. Hein. C'est le problème. On pourrait pas protéger cet endroit. Mettre des tourelles, par exemple. Sur le domaine de Montazac, dans le Médoc, il y a des tourelles devant. Après, les sangliers peuvent être intimidants. Ou sinon, on engage des mercenaires pour garder le truc, mais bon, il faut... Exactement. Moi je pensais à un truc où justement on demande à des gens, tu vois, de venir et puis on leur dit bon ben voilà, tu sais quand on a des missions ou quoi, je sais pas, ben vous surveillez, si on se fait voler quoi que ce soit, ben on vous plume ou quoi. Et si jamais on se fait un volet, ben on vous paye quoi. Tu vois. Après, il faut que ce soit des gens qui puissent venir assez régulièrement ici, ou en tout cas qui répondent immédiatement à nos appels. Bien sûr, ah bah c'est indispensable. C'est clair que si on a des mercenaires, oui, c'est indispensable qu'ils répondent instantanément à l'appel. Faudrait qu'on sache où est-ce qu'il est basé, Guy. Je ne sais pas où il est, mais c'est certainement miteux par rapport à ici. J'ai aucune idée. On l'a croisé quand pour la dernière fois, Guy? Au club, devant le club. Ah putain. Normal. C'est vrai qu'on pourrait peut-être demander... Après, Antoine Kroot pourrait être sympa, mais j'ai du mal à lui faire confiance après les coups qu'il nous a fait, quand même. Donc tu comprends ce que je peux ressentir parfois? Bien sûr. Ah bah, j'ai pas fait la même chose que nous a fait Antoine Kroot. Enfin, je suis Donatien de Montazac. Un peu de respect sur mon nom, s'il te plaît. Je me rappellerai quand même qu'on était au téléphone, qu'une voiture m'a percuté et que tu as raccroché... Oh, mais tu vas nous raconter ça jusqu'à la fin de nos jours? Honnêtement, tant que j'aurais pas une once d'excuse, oui, je pense que... Mais je me suis excusé! Mais c'est juste que je ne pouvais pas faire grand-chose de plus! Oh, il est impayable, Fabien! Il nous faut des stagiaires. T'es pas excusé. Oh, mais je m'en excuse, alors! Voilà! C'est fait! Ok. Voilà! Oh! Réfléchisse à tout ça. Ah, normalement, ça devrait être bon. Ah, je vais pouvoir me rhabiller dans mon costume d'apparat. Il va falloir que je me rhabille dans mon costume d'apparat. Voilà. Ah. Ah! Et voici Donatien de Montazac. Fini la journée de boulot, hein? Là, on est bien, là! Ah, ben voilà le Donat que je connais! C'est lui! Quel régal! Quel régal! Il faudrait peut-être qu'on en garde sur nous pour les ventes directes. Toujours avec nous quelques bouteilles? Ouais, genre 50 sur nous.
50 sur toi. Bah, les gars, tout à l'heure, nous en ont acheté 50 en tout. Hein. 25 plus 25, donc... Ouais, mais c'est... D'ailleurs, j'ai pas compris, quand même. Deux flics et un chien qui nous achètent 50 bouteilles. Écoute, ne posons pas de questions et prenons l'argent, j'ai envie de te dire. Hmm. 50, c'est beaucoup. Hein. Ah, 50, c'est pas mal. Hein. Après, qu'est-ce qui peut arriver, justement, à son sécurité sur nous? C'est sûr, mais bon, ça commence à faire lourd. Et d'ailleurs, attends, j'avais pas une arme, moi. L'arme rouillée? Moi, j'ai mis mes lingots et la pièce dans le coffre-fort de l'entreprise, là-bas. Ah, tu pouvais le mettre là-bas? Ouais. C'est ce que j'ai fait. Je pense que le flingue, tu peux le mettre là-bas aussi, d'ailleurs. D'ailleurs, faudrait peut-être voir où est-ce qu'on peut vendre ces lingots d'or. Je vais voir ça, ouais. Je vais essayer de voir sur la carte s'il n'y a pas quelque chose pour vendre ça. Ah, la banque, c'est non, hein. Je sais pas ce qui pourrait... C'est quoi, ça? Groupe 6. Ah, la joaillerie, peut-être. Ah non, mais la joaillerie, je pense que c'est juste pour... Non. Ah, je ne sais pas où est-ce que je peux... Oh, j'aurais pu vendre de la drogue à l'université de Los Santos. On peut... Je pense qu'on peut ranger le camion, hein. Ouais, vas-y. Après, ça nous fait de la pub, encore une fois, hein, je le rappelle, hein, mais oui. Oui ? Tu veux qu'on mette des camions un peu partout, tout autour du domaine ? Oh non, c'est dégueulasse, autant qu'on voit toute la vue, quoi. Comme tu le sens. Oh non, le domaine est tellement beau. Le domaine est tellement beau. De toute façon, moi, je pense que je vais y aller, là, mon cher Fabien, en vrai. Ah, il faut aller se reposer aussi. Personnellement, je vais me trouver une nuit d'hôtel tranquillement. Moi, je vais dormir dans le domaine, hein, bien sûr. Tu dors dans le domaine ? Ouais. Je vais dormir dans le domaine. Simplement, un peu peur qu'on nous vole quoi que ce soit, tu vois ce que je veux dire ? Bah oui, mais le problème, c'est qu'on peut pas mettre les bouteilles plus en sécurité qu'elles ne le sont à l'heure actuelle, tant qu'on n'a pas les clés de l'entreprise, vraiment. Complètement. Écoute... Attends, je vais tenter de ranger le camion dans le garage pour voir. Je vais ranger l'autre. J'ai pas l'impression que je puisse faire... Oh ouais ! Ah oui. Attends. Ça va, Dona ? Oui, ça va. Voilà, j'ai rangé le camion. Faut que tu te mettes sur le point. Complètement, complètement. Ah, quel plaisir d'éteindre deux bons Tazac. Ma vie, mon domaine. Faut ranger le véhicule. Bah, excusez-moi, la manœuvre est pas... La manœuvre passe. Mais je me demande si c'est vraiment notre camion, en fait, hein, cette histoire. Je suis en train de me poser la question, parce que... Moi, je suis pas sûr de ça, hein. C'est un camion un peu claquos, ça, hein. Et ce que je trouve bizarre, c'est que t'as pu le conduire alors que t'avais pas la clé, quoi. Ah, c'est une bonne question, c'est une bonne question. Ça, je suis pas sûr, moi. Est-ce que je peux fermer le camion ? Et non, et... Non, ce n'est pas notre camion. On a chopé un camion qui est pas du tout à nous. On peut pas même... On peut rien faire. Mais... Excuse-moi. Mais enfin, mon chapeau ! Un peu vieux la main, excuse-moi, je me suis retourné vieux. Voilà. On est quitte. Tu sais ce qu'on va faire ? On va mettre ce camion un peu devant, comme ça si des gens veulent nous voler des trucs, ils nous voleront cette merde. Ouais, c'est une espèce de piège un peu, ou ouais, c'est pas con. Vas-y, fais là. Je le fais. Qu'est-ce qu'il fait ? Mais que fait... Tu fais quoi ?
Attends, c'est qui là? Mais qu'est-ce que c'est que cette... Poussez-vous, je suis Donatien de Montazac. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Oui, non, c'est un mec, je sais pas ce qu'il fout, gros. Il s'entraîne au démarrage en côte en plein milieu de notre domaine. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je suis Donatien de Montazac, veuillez partir de mon domaine. Merci bien. Oh putain, ça va? Attention! Il est complètement jeté, le monde il part en couille, gros. Voilà, j'ai mis le camion devant la grille là, comme ça on le voit bien quoi. Le monde il part en couille. Vraiment, c'est un truc de fou. Enfin, c'est dommage qu'on ne puisse pas renommer. Complètement con. Ah, mais on vit dans une société, mon bon Fab. Ça, je l'ai toujours dit. Écoute, je te souhaite un bon repos. Mais de même. Je vais voir aussi ce que je fais. Moi, je vais me pioter à l'intérieur du domaine. Fab, je te dis une bonne nuit, Fab. Bonne nuit à toi aussi. Peut-être à demain, du coup. Hein. Moi, je pense que demain, je reviens par ici. Hein. Ouais, complètement. De toute façon, c'est ça. Simplement... Oui. Rire de droite. Oui, t'es dans le mur. Fab, tu as des pouvoirs? Ah, est-ce que tu m'entends toujours? Oui. Qu'est-ce qui t'arrive, Fab? Fab? Il est passé où, ce con? Fab? Ah, merde. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Allô, Donna, le sang? Bah, qu'est-ce qui se passe-t-il? Je sais pas ce qui s'est passé, un petit peu comme la dernière fois qu'on était arrivé pour la première fois au domaine. J'ai un peu perdu connaissance, je me suis retrouvé en plein milieu de la route. Et mais peut-être que quand il nous disait que le domaine était maudit à cause des sangliers, il disait peut-être vrai? Je sais pas, j'en sais rien, mais ça fait deux fois que ça m'arrive et je saurais pas l'expliquer. J'ai bien mangé, j'ai bu, enfin je veux dire... Y a pas de problème, donc écoute, je suis juste là, je suis juste devant la propriété, un peu déboussolé, mais ça va. Très bien. Bon bah écoute, je te souhaite une bonne nuit mon cher Fab, repose-toi bien parce qu'il va falloir qu'on taffe, hein, bien sûr. Complètement. Bonne nuit, je te gratte un bout de canapé parce que l'hôtel va me saouler. Bien sûr. Allez, bonne nuit à toi. Ciao. Salut. Ah, quel plaisir.